Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball. Et j'ai tellement eu le seum sur Dokkan Battle avec les SSJ4, oui parce que j'ai rien loot sa mère, que du coup je vais me venger et je vais faire un 5 choses à savoir sur le Super Saiyan 4. Et pour les mecs qui cassent les couilles avec Dragon Ball GT, c'est de la merde, c'est pas la suite canonique. On sait les mecs, bah mettez-vous un gros doigt dans le boule et quittez la vidéo. Mais enfin vous me faites rire parce que vous êtes les premiers à prendre le Super Saiyan 4 dans les jeux Dragon Ball Z. Mais bon, c'est la vie Bobby. Allez, on est parti pour la vidéo. La forme du SSJ4 serait-elle une forme magique? Je vais pas vous le cacher, pour moi le Super Saiyan 4 est une transformation plus logique que le SSJ God et le SSJ Blue. Mais un gros défaut me perturbe avec la forme SSJ4, c'est des magiciens ou c'est comment? Lorsque Goku se transforme en Super Saiyan 4, le haut de son gi disparaît, ses serre-poignets changent de couleur, le haut de ses chaussures et sa ceinture passent du blanc au bleu, et ça dans le plus grand des calmes. Et pour Vegeta c'est la même, lorsqu'il passe son SSJ 4, le gars perd son t-shirt, ses mitaines deviennent des gants complets, et ça sans la moindre explication. Alors je sais pas, peut-être que le SSJ 4 rend le Saiyan so famous. Mais le pire dans l'histoire c'est que quand Vegeta et Goku repassent en mode normal, leurs vêtements redeviennent comme avant, comme si rien n'était. Tour de passe-passe, magie Saiyan, Illuminati, y'a un bail frérot. Le Super Saiyan 4 réservé aux Saiyan purs? Dans Dragon Ball GT, tout laissait penser que le Super Saiyan 4 était un stade réservé aux Saiyan purs. Et au final, je trouvais l'idée sympa, car ça rendait le Super Saiyan 4 limité. Mais comme toujours, la licence Dragon Ball doit faire de la monnaie avec des produits dérivés, cartes, figurines, jeux vidéo. Vous l'aurez compris, on se dirige vers la licence Dragon Ball Heroes. Jeu populaire au Japon, c'est le jeu ultra cheaté, qui est là pour faire bander tous les fans de la licence. Et moi qui est fan de Gohan, quand j'avais vu sa forme SSJ4, j'avais bandé dur. Ah, je te jure, j'avais pété le slim. L'épisode promotionnel nous montre un Gohan SSJ4 avec la tenue de son maître Piccolo, et franchement il n'y a pas à chier, le Super Saiyan 4 est plus stylé que le Super Saiyan Blue. Enfin bref, vous l'aurez compris, le SSJ 4 n'est pas réservé que aux Saiyan purs. Les couleurs du SSJ 4 changeaient pendant le chara-design. La chose qui bloque la plupart des gens qui n'aiment pas le Super Saiyan 4, c'est le choix des couleurs rouge-rosé pour les fourrures. Et honnêtement, je peux comprendre. À l'époque, l'évolution d'un Saiyan se faisait avec les cheveux dorés. Mais il est bien noté que dans les chara-design préparatoires, Katsuyoshi Nakatsuru voulait rester dans la même continuité d'évolution, avec des cheveux dorés et une fourrure dorée. Mais malheureusement, son choix n'a pas été retenu. Peut-être que la Toei Animation voulait se démarquer de l'histoire originale avec sa propre transformation. D'ailleurs, dites-moi par commentaire si le Super Saiyan 4 aurait été plus stylé en doré, ou alors préférez-vous sa version actuelle? Allez, à vos claviers! Un spoiler du SSJ 4 dans Dragon Ball Z. Là pour les mecs qui sont contre Dragon Ball GT, derrière leur écran c'est la folie hein. Ils sont en mode quoi, le SSJ 4 spoilé dans Dragon Ball Z, c'est pas possible. En fait dans l'anime Dragon Ball Z, lorsque Goku nous dévoile la première fois le Super Saiyan 3, on voit qu'il brise quelque chose dans son esprit pour atteindre son nouveau stade. Pendant ce passage, on voit un Goku Ozaru qui redevient humanoïde jusqu'à sa forme bébé. Et si on revient sur cette forme humanoïde, on voit très clairement qu'elle fait penser au SSJ 4. C'est pas les couleurs du SSJ 4 mais tu vois où je veux en venir, non? Bon, vu que je suis un Picasso en paint, voilà, là tu l'as ton SSJ 4, imbécile. Et critique pas mon fucking talent en coloriage, ok? Sois sage comme une image et pose ton boule sur le carrelage. Super Saiyan Blue ou Super Saiyan 4? J'avoue avoir galéré à trouver des trucs intéressants sur le Super Saiyan 4, donc on va continuer un éternel débat. Dites-moi par commentaire si vous préférez le SSJ 4 ou le SSJ Blue. Bien sûr, rien à voir avec le niveau de puissance, votez avec votre cœur. Car cela semble logique que le Super Saiyan Blue est largement plus puissant que le SSJ 4, car le SSJ 4 ne tire en rien un pouvoir divin. Le SSJ 4 est pour moi juste la forme ultime du Saiyan dans son évolution normale, alors que le SSJ Blue appartient à une autre branche d'évolution. Enfin, je pense que tu vois où je veux en venir. Cette cinquième chose à savoir, c'est un peu vous qui la faites. Votez par commentaire SSJ 4 ou SSJ Blue et sur le sondage qui apparaît à droite de votre écran. Voilà les amis, la nouvelle vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de répondre au sondage, de faire péter les likes et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss !